Allez, salut à tous, c'est Riken, comment t'es bon, ça va super bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer comment avoir les joueurs du championnat chinois en mode carrière sur FIFA 17, les gars. Vous savez tous que les joueurs du championnat chinois ne sont pas présents cette année sur FIFA 17, car il n'a pas eu les droits du championnat. Mais il y a une petite astuce sur FIFA pour obtenir la moitié des joueurs du championnat chinois. Elle est vraiment très très simple, je pense qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui la connaissent d'autres. Les gars, aujourd'hui, donc aussi, si vous voyez ma voix qui est en différé par rapport au gameplay, c'est tout à fait normal, les gars. Car on vous dit l'autre jour par-dessus le gameplay, donc, voilà, vous savez tout. Donc maintenant, vous allez dans personnaliser, vous allez chercher modifier équipe. Ensuite, vous allez dans transfert club, parce que là, c'est très très simple. Après, vous allez chercher le championnat agent libre qui se trouve juste à côté du championnat japonais. Ils ont le japonais, mais pas le chinois, c'est n'importe quoi. C'est yay, les gars. Ensuite, vous allez avoir une liste de joueurs, et parmi ces listes de joueurs, vous allez avoir des joueurs qui évoluent dans le championnat chinois comme Hulk, qui a quand même 86 de général cette année. Il aura une carte vraiment énorme sur FIFA Ultimate Team. Donc, vous avez ces stats qui sont en train de défiler, elles sont quasiment toutes dans le vert. Voilà, très gros stats, 4 étoiles de geste technique, vraiment très 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 beau pour ces stats. Vous avez Farfan, vous avez Rosé qui lance un arsenal, vous avez le petit chouchou de Rudy Garcia, Gervinho qui a toujours un pont de fou, vous avez Graziano Pelé, le petit Titanic qui a fait un très bon euro avec sa sélection. On a aussi Gilet qui était très très bon sur les anciens FIFA, le défenseur brésilien. Après, on a le petit Burak Yilmaz qui était très très bon sur les anciens FUT avec ses cartons rares qui étaient tellement cheatés. On a Ricardo Carvalho, l'ancien de Monaco. On a Eduardo, le gardien de Chelsea qui ne se retrouve pas dans FUT, je sais pas pourquoi. On a Gabriel Jesus, le buteur prodige de Manchester City. En plus de ça, vous voyez, il a les 5 étoiles de geste technique, il y a vraiment moyen de se faire plaisir avec lui. Donc vous avez, dès que vous avez fini de regarder la liste des joueurs, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir des joueurs. Donc moi j'ai choisi Hulk, et là vous allez les importer dans le club où vous voulez commencer une nouvelle carrière. Donc moi j'ai choisi l'Olympique de Marseille, qui a le club de cœur, donc voilà, j'ai voulu les mettre dans ce club là. Donc j'ai pris Hulk, et j'ai pris ah oui, Gabriel Jesus, la petite pépite qui a 5 étoiles de STP, vous pouvez la tester, qui est très très bon d'ailleurs. Donc j'ai importé que ces deux joueurs là, ouais, j'ai importé que ces deux joueurs là. Donc après, dès que vous avez importé tous les joueurs que vous voulez dans votre club, vous quittez un peu dans le milieu, vous quittez la modification et tout, vous allez dans jouer, vous allez dans la nouvelle carrière. Et là vous allez lancer une nouvelle carrière manager avec José Mourinho en téléphone. Donc là vous choisissez les trucs et tout, et là vous allez choisir le club où vous avez importé les joueurs. Si vous avez pris Porto, bah, vous allez choisir Porto. Là vous choisissez l'entraîneur et tout, et là vous allez, ça va être une manœuvre très très simple, les gars. Vous n'allez pas mettre télécharger plus récemment équipe utilisée, vous allez mettre perso actuel au lieu de télécharger plus récent, sinon la petite astuce ne marchera pas. Voilà, c'est très très simple. Là vous allez avoir le petit chargement qui casse les couilles comme à chaque début de carrière, et je vais en profiter pour vous remercier, les gars, car on est plus de 730 sur la chaîne, et ça me fait super plaisir. Ça monte petit à petit et ça me fait super plaisir. Donc aussi grosse dédicace à mon GFX Darkinios qui fait mes miniatures, il fait vraiment de très 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 lourdes miniatures. Donc n'hésitez vraiment pas à aller le voir, je vous mettrai sur Twitter dans la description. Et grosse dédicace aussi à mon Gava Soin et bah, Speed Gaming, les gars, Speed Gaming qui réalise mes montages de mes vidéos. C'est vraiment un très très bon gars, ce mec là. Donc n'hésitez vraiment pas aller voir sa chaîne dans la description, ça me ferait super plaisir, les gars. Vous allez vous abonner à sa chaîne. Donc là, vous attendez que le chargement est bientôt fini. Donc on peut voir Myriam Canis qui a signé à la Juve, ça ne le savait pas du tout. Donc là, vous sauvegardez votre carrière. Ensuite, vous acceptez les invitations d'avant saison. Donc moi, j'ai refusé car j'allais pas jouer sur cette carrière. C'était juste pour le bien de la vidéo que j'ai créé cette carrière. Ensuite, vous allez dans équipe, vous allez tout en bas de l'effectif, et là vous allez voir vos joueurs que vous avez importés de agent libre. Moi j'ai importé Gabriel Jesus et le petit Hulk. Je vous montre encore ses stats parce que vous font kiffer leurs stats à ces deux joueurs là. Donc j'ai mis Hulk à la place de Tovin, et j'ai viré Bafétimbi Gomis à la place de Gabriel Jesus, les gars, qui est vraiment très très bon. C'est vraiment pas le prendre dans vos carrières. Donc, je sais pas pourquoi il est pas à Manchester City, car il n'y a pas de limite dans le championnat chinois. Bon, voilà, c'était très très simple, les gars. Comment avoir des joueurs du championnat chinois sur le mode carrière? Ben voilà, vous le savez maintenant. J'espère que vous allez faire du très très sale avec les joueurs du championnat chinois. C'était Riken, je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Peace!